Résister, le credo de Greenpeace, résister contre l'administration Trump qui relance la construction de deux pipelines. Deux militants se sont suspendus à une grue, un endroit choisi très précisément pour être vu depuis la Maison-Blanche, où s'est installé vendredi le 45e président américain. Si vous êtes dans les jardins sud de la Maison-Blanche, qui s'appelle l'Ellipse, en ce moment, vous voyez cette banderole. Symboliquement, bien sûr, nous nous sommes mis spécifiquement à cet endroit pour manifester contre cette administration. La veille, le président a relancé deux projets d'oléoduc controversés. L'un d'eux, pendant des mois, avait mobilisé une tribu indienne opposée au tracé. En décembre, Barack Obama avait donné raison aux Sioux et le projet avait été abandonné jusqu'à la décision prise ce mardi par Donald Trump. Décision qui a provoqué immédiatement des manifestations à Washington. Donald Trump tourne la page Obama. Vendredi, son tout premier décret avait visé l'Obamacare, la réforme de la santé détestée des conservateurs.